Alors je vais vous dire très sincèrement, je crois que j'ai un problème avec mon invité. Je sais pas comment le présenter. Je sais pas si c'est un homme de télé, si c'est un homme de cinéma, si c'est un one-man show, si c'est un comique, si c'est un acteur dramatique. Vous êtes là pourquoi aujourd'hui, Guy Montagné? Bonjour avant tout. Bonjour, ben, je suis là surtout pour montrer ma tronche aux professionnels, parce que vous savez, ce pays, c'est un pays où on met les gens dans des tiroirs. Alors ça, je suis très content que vous n'arriviez pas à trouver une définition, parce que moi, généralement, je préfère qu'on dise comédien, homme de spectacle, plus généralement, parce que c'est vrai que je fais plusieurs choses. J'ai fait de la télé, j'ai fait du théâtre, je fais un peu de cinéma, pas beaucoup, parce que pour entrer là-dedans, c'est encore un autre tiroir, donc comme j'ai pas la bonne étiquette, ça va pas. J'ai décidé de produire moi-même mes spectacles, alors je suis aussi devenu producteur. J'ai décidé d'écrire moi-même mes spectacles, alors je suis devenu auteur. Effectivement, c'est pas une casquette que j'ai, c'est un truc à plusieurs visières, bon. Alors comment on pourrait me définir? Bon, donc, comme je vous ai dit, un homme de spectacle, voilà, je crois que c'est tout. Donc je suis venu là pour me montrer, pour dire coucou, j'existe, vous voyez, je suis pas dans le tiroir du one man show, je suis aussi dans le tiroir de la télévision. Alors il y a quelques réalisateurs qui ont eu l'intelligence, l'imagination, je dirais l'audace de m'employer dans des rôles pas forcément drôles d'ailleurs. Le dernier en date, c'est un monsieur qui s'appelle Heikki Harikallio, qui est un Finlandais jovial et un magnifique ami qui habite en Suisse et qui a été qui a été demandé pour réaliser un épisode de la série Louis Page chez Septembre Productions. Alors j'ai eu la très très grande joie donc de travailler avec une équipe française et une équipe suisse allemande avec une efficacité extraordinaire dans un rôle très très dur qui n'est pas encore été diffusé à la télé. Ça s'appelle La Vraie Vie, c'est avec Frédéric Vandendrich entre autres, il y a beaucoup d'autres comédiens et comédiennes dont je suis foutu de me rappeler les noms, dont des Suisses, et j'ai eu une expérience très très enrichissante. Il y a une scène de suicide qui m'a demandé beaucoup de concentration, et mon amie Sylvie Raboutet, qui est une comédienne plutôt du théâtre subventionné, m'a fait un petit clin d'œil après en me disant, tu vois, c'est dur aussi, hein, parce que je l'ai payé pendant 8 jours cette scène. Ah oui, c'était dur, oui. Je pense aux jeunes comédiens qui, voyant que leur carrière ne décolle pas, je ne m'adresse qu'à ceux qui sont passionnés, voyant que leur carrière ne décolle pas, pensent aussi à diversifier leur palette. Et vous, justement, vous parliez de jouer, réellement jouer et ne pas faire ou surfaire. Est-ce que vous leur conseillez, malgré votre parcours, de, ben voilà, t'es pas prêt à la télé, t'es pas prêt dans une pièce de théâtre, t'es pas prêt pour un court-métrage, vas-y, écris, sors ce que t'as en toi, même si tu surfais, même... Est-ce que vous leur conseillez ça? Bien entendu, absolument. C'est même pire que ça. Il y a une diversité de supports aujourd'hui, d'ailleurs là on est sur Internet, bon, voilà. Il y a la radio aussi, on n'en parle pas, mais ça aussi c'est un support très très intéressant. Et donc moi je conseille aux jeunes comédiens qui ont du talent et qui ont, comme vous le disiez, la rage de réussir, eh ben, d'écrire effectivement leurs propres œuvres. Tout ça c'est à prendre en compte aujourd'hui parce que les choses évoluent et que l'expression artistique évolue vachement, quoi. Voilà. Ok. Guy Montagné, merci beaucoup.